Ok méné, bon on est mercredi, début des soldes d'été 2019. On pouvait pas vous laisser sans une petite vidéo de qualité avec une sélection solde promo. Là on a changé un petit peu la méthode. On a fait deux bols, enfin notre stagiaire de qualité Saku a fait deux bols, un bol avec les boutiques qu'il faudra tirer, comme un petit peu une tombola, tout ça. Voilà, tombola. Et un autre pot avec des limitations de budget, 100, 150 200 euros. Pour les shops, on a Urban Outfitters, Méné, on a Size, Azos et bien sûr Cali Roots. 4 shops de qualité où il y a vraiment des dingueries. Donc on va voir qui va piocher quoi, qui va faire les meilleures tenues. Comme d'habitude, en description, on vous met les liens des meilleures zones promo. On vous fait aussi un top 10 des meilleures paires de cette année qui seront en promo, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et n'hésitez pas en commentaire à nous donner vos avis. Comme d'habitude, likez, partagez la vidéo. Si vous trouvez des bons plans, mettez-le en commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et voilà, on espère que tout le monde va respecter le budget. Et c'est parti, Méné. Vidéo, bébé. C'est parti pour la loterie. Hein. On va voir qui va avoir quel site imposé et qui va avoir quel budget imposé. Mike, c'est parti. Donc les prix sont dans la cacahuète. D'accord, et... ça va être. Je vais commencer par les shops. Chier. J'ai tiré Size plus Azos. Donc ça veut dire que je dois choisir mes sapes sur Azos. Et... en fait, tu peux faire les deux. Tu peux choisir tes paires sur Azos ou tes paires chez Cali Roots. Tu peux choisir tes sapes chez Azos ou chez Cali Roots. Tu fais comme tu veux. C'est juste que sur Cali Roots, il y a des sneakers un peu plus. Tu vois, il y a un peu plus de choix au niveau des sneakers. Du coup, voilà. Je n'ai pas choisi le meilleur truc. J'espère que je vais me rattraper sur les prix. On a le droit à deux essais ou pas? Non. En sachant que je suis quelqu'un de très dépensier. 150 balles, ça va. D'accord, ça va, c'est la moyenne. Ça va, ça va. Très bien, bah, je vais relever le défi, tu vois ce que je veux dire. Donc va voir quelqu'un d'autre en attendant que je fouille. C'est voilà. Ouais, ok, c'est parti. LC Mané, let's do this. Je prends le prix direct, comme ça je sais dans quelle sauce je mets. 150 balles. Bébé. Ah, c'est ça, il y a déjà, c'est 100 euros, 200 euros pour les prochains. Ok. Tiri. Oh, yeah. Urban Outfitters et Cali Roots. Malé. Malé. Ça c'est pas mal du tout. Hein. Très bonne pioche. Très bonne pioche. Ah, moi, c'est un bon but. Piwe. Let's do this. Oh non, c'était mon tour. Prix parce que t'étais aux toilettes, frérot. Prix. Boutique. Urban Outfitter, Cali Roots, bébé. Ouais, je 100 balles, hey, tire 100 balles, vas-y, tire 100, 100 balles. 100 balles, tu veux 100 balles, 100 balles, 100 balles, 100 balles, 100 balles. Allez, petit pas devant, petit pas derrière. Allez, petit pas devant. 200 balles. Oh, quel tirage, quel tirage. Mais il va quand même réussir à dépasser. Chasseur. À ton tour, mon billet. Le tirage parfait, ce serait Cali Roots parce qu'il y a une sélection de cartes terrible. Les 200 euros, ce serait. Ah, ça veut dire que c'est Francis qui va tomber sur les 100 balles, c'est sûr. Ah, ça va être très beau. Size et Asos, bien sûr. Hein. Et je vais tirer 100 euros, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. 100 euros. Merde, ça. T'as quand même tiré un beau combo parce que Azos tu peux trouver des sapes cool pas trop cher. Et Size pareil, il y a des paires cool pas trop cher. Eh hey, par contre, parce que depuis qu'on fait des vidéos, tout le monde dépasse. Là personne on ne dépasse pas. On ne dépasse pas, il faut une tenue avec une paire. Voilà, je m'en vais. Gusmo. Gusmo, il va tirer 200 balles. Attends, tout le monde a tiré, ça veut dire non, Francis il a pas tiré. Ça c'est boutique. Ouais. C'est quoi? Size et Asos. Aïe, aïe, aïe. Il va tirer 100 euros comme moi. Oh là. J'ai une quête. Ah, ça aurait été incroyable. 50 euros. 200 euros. Ça veut dire que Francis. Oh, calme. Urban Outfitters, Cali Roots. 100 euros. Et 100 euros. Ouais. Let's go, baby. Bon, du coup, ma sélection est faite. J'avais le droit à 200 euros sur Size et sur Asos. Franchement, 200 euros, c'est la facilité. Hein. C'est. Ah, c'est vrai, j'ai même pas été jusqu'aux 200 euros. Je me suis arrêté à 150 et quelques. Faites le reste, frérot. T'es un ouf, chacun son budget, mon pote. Du coup, j'ai commencé par Asos. J'ai sélectionné deux t-shirts que, en vrai, j'avais assez de budget. Et je me suis dit, vas-y, c'est cool d'avoir deux t-shirts différents. Donc, il y a un premier t-shirt qui est noir, forcément. C'est un Night Addict.
je connais pas cette marque. Il est tout simple, il est tout noir. Il y a devant, il y a une écriture, il y a marqué Lost. Et derrière, il y a un espèce d'imprimé qui a l'air assez cool. Je vois pas exactement ce que c'est, mais ça a l'air d'être une vue, une fenêtre. Et t'as une espèce de vue. On dirait à peu près, on dirait que c'est un peu New York. Donc le t-shirt est cool. Il est à 20,99€ à la place de 28,99€, donc ça va. Et j'ai un autre t-shirt qui est aussi noir. Et là, qui est dans un autre délire, c'est un t-shirt Disney, le Roi Lion. Je kiffe ce dessin animé et je suis capable de porter ce genre de truc. Donc je l'ai sélectionné. Il est tout noir. Il y a juste le dessin justement derrière du Roi Lion avec Mufasa et juste marqué Roi Lion. Et pareil, il est à 20,99€ au lieu de 35,99€. Donc c'est cool. Du coup, après ces deux t-shirts, j'ai pris un t-shirt parce qu'en fait, je me suis fait une petite tenue d'été vu qu'il fait très chaud en ce moment. Je me suis dit, vas-y, ça sert à rien de prendre des survêtes ou pantalons et ainsi de suite. Donc j'ai pris un short, bref, soul. Qui est en camo assez sombre et à la place d'être à 49,99€, il est à 23,99€, donc c'est cool, moitié prix. Donc voilà, pour Assis à Sauce, j'ai pris un petit accessoire, j'ai pas trouvé grand chose, je voulais prendre une petite paire de Ray-Ban, mais c'est un peu trop cher, ça dépassait le budget de ouf. Du coup, j'ai trouvé une petite paire qui ressemble un peu à des Ray-Ban. Avec les verres jaunes, je me dis ça peut être marrant. Je sais pas si je les mettrais personnellement, mais tu peux rajouter ça dedans. À la place de 25, elles sont à 6,49€. Et ensuite, chez Size, j'ai été prendre une paire. Donc, pour changer un petit peu, il y avait des Reebok pas chers, mais je me suis dit, vas-y, on va changer un peu de délire. Et j'ai trouvé cette paire qui est assez cool. C'est une Saucony Jazz OG Vintage. Et franchement, moi c'est une paire que j'aime bien, ça fait vraiment à l'ancienne. Là elle est toute noire et avec la semelle blanche. Et elle est à moins 37%, donc ce qui revient à 60€. 60€ pour une petite paire de Saucony, assez cool, je trouve que c'est bien. Ensuite, pour finir la tenue, j'ai trouvé un espèce de petit bob Columbia. Qui est assez cool, qui a des motifs assez cool, j'aime bien ce genre de motifs. Et du coup, pareil, moins 34%, il me revient à 25€. Voilà. Du coup, ça me fait deux t-shirts, un short, un petit bob, une paire de shoes et une paire de lunettes. J'en ai pour 157,46€, mon pote. Donc, j'étais à 200€, il me reste encore de la maille, je peux aller manger une glace sur la plage et ainsi de suite. Au calme. Bon, donc moi j'avais Urban Outfitters Cali Roots et 100€. Cali Roots, ça ! Autant vous dire que c'était chaudé, mais je pense que j'ai réussi à avoir une belle tenue, donc on va voir ça tout de suite. Déjà, première pièce, Adidas Originals Off Court Truffle T. Donc un t-shirt avec le petit logo Adidas à trois fleurs ici, les trois bandes sur le côté en bleu, t-shirt blanc, efficace à 21€. Ensuite, pantalon Champion Straight Hems Pen. Oh boy. Voilà, les pantalons un peu larges, coupe un peu court comme je kiffe, en gris, qui est à 22,50€. Voilà. Si vous n'aimez pas celui-ci, je vous propose une alternative. Une alternative qui est le Straight Hem Pants de Champion. Qui est à peu près pareil, c'est une matière jogging, juste avec le petit logo Champion, une coupe large, un peu court. À 37,50€. Pour la paire, Reebok Phase 1 Pro Gum. La paire est douce, frérot. La paire, elle est douce ou pas? C'est ce que t'as pris? Non, mais toi-même, tu sais que t'es obligé de prendre Reebok avec ton budget. Frérot, t'as raison. Sinon, t'aurais rien. Non, il y a des Adidas, mais c'est plus des Adidas Skate, tout ça. Et moi, voilà, c'est ça, tu vois. Je peux faire une tenue avec, mais ça me ressemble pas. Je peux plus trouver des Reebok cool. Stylés que d'autres marques à ces prix-là. Dans ce prix-là, ouais. En dessous de 50€, autour de 50€, ouais, c'est vrai. Il y a la Lyon 96 à 60€, mais ça rentre. Moi, j'avais que 100€, je pouvais pas. Donc, celle-ci, et gros, je la trouve dingue. Semelle gum, petit détail bleu, tout ça. Ça rappelle un petit peu le t-shirt. Elle est cool, moi, c'est juste cette là que j'aime pas le fait que ça rentre comme ça. Voilà. Sinon, elle est cool, ouais. Validé. Voilà, court avec un petit l'intérieur gris, tennis, tout ça. Validé. Là, vous allez me dire, mais attends, comment tu vas faire? Parce que t'es presque à 100€, là, mon ami. Sur Cali Roots, il y a un code promo, moins 20%, 20 extra. Ce qui fait le t-shirt, plus le pantalon, plus la paire à 58,80€. Donc, il me reste 42,20€ pour le reste de la tenue. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai pris un pull façon poncho, col V, blanc méné. Pour pouvoir vous pavaner sur la plage.
ce que je veux dire. Quand on pull sur la plage. Gros, mais gros, t'as. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas dans quelle plage, toi, mon frérot? Mais frérot, y'a du vent sur la plage, tu vas sur quelle plage, toi? Y'a toujours du vent, frérot. Mais même y'a du vent, je mets pas un sweat, frérot. Mais frérot, on sait jamais. Eh, il fait pas chaud tout l'été, il fait pas 35 tout l'été, frérot. On est d'accord ou pas? Vous prévoyez pas une petite veste au cas où y'a du vent, il fait froid? Ressaisis-toi. C'est des ouf, frérot. Donc voilà, sweat à capuche en col V en tissu, donc c'est un tissu très respirant. C'est pour ça que je l'ai choisi. Ouais, ce que je veux dire, c'est léger, ça fait un peu poncho et la capuche, je la trouve juste incroyable. À 32 euros. Si je calcule bien, ça me fait 58,80 plus 32, ce qui me fait une tenue à 90 euros et 8 centimes. Il vous reste même 9 euros et 2 centimes pour acheter une petite paire de chaussettes ou un petit caleçon comme vous le sentez ou j'allais dire une culotte, mais vas-y, on va se calmer ici. Voilà. Donc on est ensemble, méné. Je pense que j'ai... Voilà, mon pari est tenu, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Au suivant, méné, Bex. Moi, pour une fois, il y aura pas de bruit de mobilette qui fait une roue. Parce que je suis en dessous des clous, je suis à 122,60€ pour 150. Chapeau. Donc on va commencer tout de suite avec le haut. J'ai pris un petit primitive skateboard Rick and Morty. À 19,60€ au lieu de 34,90€ sur Caliroots. Donc ensuite, j'ai pris un pantalon champion en jersey qui s'arrête au niveau des chevilles. Donc qui était à 74,90€ et qui est passé à 22,50€. Ah, t'as dit quoi? T'as le même? C'est mon pantalon ça. Lequel? J'ai pris des Young One. Qui sont descendus à 57€ au lieu de 119€. J'ai pris 3 paires de chaussettes Ralph Lauren à 13,40€ au lieu de 27,90€. Donc là, ça fait 108,60€ avec les plus 20 qu'il y a sur Caliroots. Et pour finir la sélection, j'ai pris cette petite banane Ispac. Donc qui était sur Urban Outfitters à 25€ et qui est passé à 14€. Donc j'ai fait ma sélection pour un total de 122,60€. Babanks. À noter qu'il n'a pas dépassé. Je n'ai pas dépassé. Pour une fois, je n'ai pas dépassé. Comme vous avez pu voir, mon tirage n'était absolument pas favorable. Au contraire, d'ailleurs, ça m'a mis dans un bourbier phénoménal, une sauce terrible. Du coup, j'ai un budget de 100€ sur size et à sauce. On se rend très rapidement compte que 100€, bah, c'est pas beaucoup. Hein. Malgré que... Quand tu places le CD, hein, c'est ça. Non, là, du coup, là, c'était déjà mort. Tu places un item, c'est perdu direct, t'as plus de budget. Je suis parti sur ça et j'ai commencé directement avec un t-shirt The North Face jaune. C'est SP, tu vois, mais il était à 6€. Au niveau où on en est, on prend un petit t-shirt The North Face 6€, frérot, on va pas commencer à faire les mecs compliqués. Ensuite, je suis parti encore sur size. Et sur size, quand on digue un peu, il y a des paires vraiment pas mal. Après, il faut trouver des paires avec sa taille, etc. Mais il y a des paires vraiment stylées. Et celle que je trouve stylée dernièrement de ouf, c'est les Puma Cell Venom. Puma, ils ont fait quelques sorties depuis un an là avec des paires vraiment vraiment cool. Je suis passé à côté et du coup là c'est le moment de me rattraper avec la Puma Cell Venom à 60€. Ensuite, j'ai trouvé cette sacoche Adidas que j'avais jamais vue et qui est incroyable. Adidas Sac Park Hood. En gros, c'est une méga sacoche que tu peux mettre en mode sac à dos derrière. Et chap, elle est stylée, c'est une one size, ça veut dire que tu peux la régler comme t'as envie. Et à ce niveau-là, déjà, comme vous avez pu le constater, avec une paire à 60€, une sacoche à 20€, on arrive déjà à 80€. Plus le t-shirt à 6€, ça fait 86€, c'est-à-dire qu'il me restait que 14€ pour mettre un bas et des chaussettes. C'est-à-dire là, c'était vraiment street. À ce niveau-là, c'est devenu compliqué. Mais le truc, c'est qu'avec Azos, tu peux trouver des items vraiment, vraiment, vraiment pas chers qui sont plutôt simples et plutôt cool, tu vois. Donc, du coup, j'ai trouvé ce short chino à 9,99€. C'est peut-être pas forcément le genre de short que je mettrais parce que c'est un peu trop serré pour moi, tu vois ce que je veux dire, j'ai des très grosses cuisses. Mais là en l'occurrence le short il passe crème, il est noir, il est simple pour 10€. On va pas faire les mecs compliqués. Et à ça j'ajoute une paire de chaussettes noires simples à 2,49€. Ça nous fait un total de 98,48€. C'était très très compliqué. Mike est en train de me regarder comme si j'avais dépassé. Il est vrai que j'avais dépassé à un court moment. J'avais dépassé d'1,48€. Mais c'est parce que j'avais pris une Reebok Aztrek super stylée. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Donc du coup, je vais la mettre en alternative si vous avez 101,48€ de budget. Ce qui n'était pas mon cas. Vu que les gens ici, ils aiment trop respecter les règles. Bien sûr. Voilà les Belges.
Donc si vous voulez investir dans ce genre de tenue de qualité, allez-y, hein. Je me suis démerdé comme je pouvais. Ici, il y en a, ils ont 200 euros, ils font des tenues un peu bancales, donc je laisse les gens avancer. Et pour ne pas changer d'habitude avec les sélections promo, vous savez très bien que je fais toujours ma petite pub. Cette fois, la petite pub va être rentable pour vous, puisque avec le code CaminoTV, ces soldes présents aujourd'hui, vous avez moins 50%. Ce qui veut dire que vous pouvez aller récupérer des petites chemises en velours pour environ 35 euros, des petits hoodies pour 36 euros, des petits polos pour 20 euros, des t-shirts pour 15 euros. Donc je vous invite à courir tout de suite sur le site. Il y a même des joggings pour 30 euros aussi, des chaussettes pour environ 4 euros. Et il y a même des petites sacoches que vous allez pouvoir récupérer à peu près 15 euros pareil. C'est vrai que là c'est mes vraies premières soldes. Vu que je suis une vraie marque maintenant, je suis obligé de faire des vrais soldes. Donc je vous invite à aller sur le site maintenant tout de suite, d'aller rapidement sur le site et de cliquer tout ça les BG. Wesh bébé, voilà mes tickets gagnants. Donc j'avais 200 euros le budget pour faire une tenue sur Urban Outfitter et Caliroute du coup. Je me suis dépêché, je suis allé sur Urban on Twitter en premier pour attraper un petit haut, un haut guess. Guess original en oreiller. Guess, my man. Guess, t'as entendu? Guess what? Non, 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 c'est une très bonne marque. Ah ouais? Le t-shirt Guess était de base à 42 euros et maintenant il passe à, mesdames et messieurs, 32 euros. Un petit t-shirt rayé pour l'été, je pense que c'est parfait. Ensuite, il me fallait un bas d'art, un bas vert, un bas presque cargo. Du coup, je suis allé sur Cali Roots pour prendre un carte Abbott Pants en dollar green washed. Mon pantalon était de base à 99,90€ et maintenant il est à 70€. Et pour finir, parce que j'avais pas le temps de faire une tenue avec plein de pièces comme d'habitude, là c'était haut, bas, chaussures. Pas de chaussettes parce que pourquoi? Cette fois-ci j'ai pris des sandales. Sandales. Suis coq. Suis coquet. Je ne sais jamais comment on prononce ce bail. Qui sont de base à 132,50€. Mais qu'est-ce qui se passe? What? C'est cher. Mais là, puisque sur Cali Roots, on a un code promo 20 extra. Regardons mon panier. 162€ plus le t-shirt Guess à 32€, ce qui donne 194€. Ma tenue est terminée. Ma tenue pour l'été. On est ensemble les swag. Mike! C'est mon tour. Alors moi j'avais 150€ chez Size et Azos. Alors ce qui est cool avec Azos vraiment, c'est comme a dit Chasseur ici présent, qui me regarde de façon assez bizarre, c'est que c'est pas cher. Pour la paire de chaussures, moi je commence toujours par la paire de chaussures. Là j'avais envie en fait de faire une tenue. Tu vois ce que je veux dire, il fait chaud. Je voulais un truc un peu stylé et un truc un peu été. Donc j'ai pas pris de couleurs sombres, j'ai pris des couleurs claires. Et ma paire de chaussures est rouge. C'est une blazer vintage en suédé. Au lieu de 95€, elle est à 60€. J'ai pris une petite paire de chaussettes. En fait, je sais pas si vous voyez. Ça, c'est une paire de Chicago. Vous imaginez, voilà, la paire de blazer. Et là, une petite paire de chaussettes hautes, rayées comme ça, qui dépasse. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait un petit style un peu skater. Donc, style un peu skater, j'ai trouvé un Bermuda style skater. C'est le nom du Bermuda. Ah, j'ai pas dit, excusez-moi. La paire de chaussettes, elle est au lieu de 28,99€, ce qui est cher pour une paire de chaussettes. Ah non, c'est un lot de 5. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc pour 11,99€, au lieu de 28,99€, j'ai 5 paires de chaussettes. Une noire, une blanche, une grise, une blanche encore, une noire encore. Ça veut dire comme ça, vu que je vais suer un peu des pieds parce qu'il fait chaud, je peux changer de chaussettes, tout va bien. Et je parlais de ce magnifique, ce n'est pas un short, c'est un Bermuda. Je déteste ce mot. C'est un Bermuda style skater de couleur taupe. Au lieu de 28,99€, il est à 13,99€. Donc je kiffe parce que tu vois ce que je veux dire, on dirait un peu les Bad Dickies qu'on mettait à l'époque. Ils tombent en dessous des genoux avec les chaussettes montées, avec la paire de blazers. Voilà, ça fait vraiment un flow assez cool et il est vraiment pas cher. Et ensuite, j'ai pris un débardeur. Malheureusement, je n'ai pas le même corps que le mannequin, donc ça ne donnera pas la même chose. Donc je prendrai une petite taille au-dessus, histoire de faire débardeur large, tu vois ce que je veux dire. C'est un débardeur gris de la marque. De la marque. Thread bar. Au lieu de 12,99€, c'est 6,99€. Et pour finir ma tenue, pour mettre au-dessus du débardeur, j'ai acheté une petite chemise à carreaux 6 June.
donc à carreaux rouges, histoire de faire péter la tenue, tu vois ce que je veux dire. Donc que des couleurs claires que je vais laisser ouvertes, donc c'est des manches courtes, j'aime pas les manches, je vais la laisser ouverte, ou bien je vais accrocher les deux premiers boutons et je vais laisser le truc voler, tu vois ce que je veux dire, avec mon débardeur gris en dessous. Au lieu de 56,99€, elle est à 14,49€. Donc c'est vraiment pas cher et je trouve que la chemise elle est d'art, la coupe elle est folle, j'aime bien. Ensuite, vu que c'est le soleil, il fait chaud, il y a du soleil, j'ai mal aux yeux, babang, je me suis dit je vais me prendre une paire de lunettes de soleil. Donc j'aime bien en fait le délire où t'as la mouture comme ça en haut, mais que le carreau il est vide en bas, tu vois. Donc là j'ai pris ça, c'est cool, elle est vraiment pas chère, c'est une SVNX. Je ne connais pas. C'est des verres teintés bleu noir. Et au lieu de 21,99€, elle se retrouve à 13,99€. Ce qui me donne une tenue d'un total de 121,45€ au lieu de 150€. Mon budget, c'est-à-dire il me reste un peu de sous-sous pour aller manger un McDo avec Cosmo. Voilà. Du coup, ma tenue qui est stylée de ouf, j'espère va être validée par vous. Et je vais rendre la balle à Monroe. Bon miné, là la sélection promo est terminée. Je crois que pour une fois, tout le monde a respecté son budget. Voilà, ce que je trouve ça magnifique. Surtout Piway. N'hésitez pas à nous dire pour vous qui a fait la meilleure tenue. Si vous voulez noter, n'hésitez pas à noter. Vous voyez ce que je veux dire. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on vous met toutes les zones promo en fait en description. On vous met aussi les liens vers tous les items qu'on a choisis. Voilà, les tenues par personne, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, on est ensemble. N'hésitez pas à partager des liens en commentaire si vous trouvez des bons plans promo. Et on se retrouve, nous, pour une prochaine vidéo. Voilà, ensemble, tu vois ce que je veux dire. Que du love. Banks! Louis Bandana, do fake on out the feeling. I'm from the land, blue honey, rubber bands. She want a band, bitch, popping on the ground. She want to dance and shake some, yeah, yeah. And shake some. You wanna shake some. You wanna dance, bitch, shake some. You wanna dance, bitch, shake some. You wanna dance, bitch, shake some. I done a band, she gon' make some. She wanna dance, bitch, shake some. For that Louis red bottom, she gon' shake some. She done had on stripper name till I gave her one. You ain't getting to the money, better make some. We gon' party all night, it's like A-some. Real bosses don't speak, don't gotta say none. The baby always down for me, and she my